Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la plateforme sur notre épisode de Fallout 4. Donc, chers amis, on reprend là, nous en étions la dernière fois. Il est possible que j'ai un petit peu bougé, j'ai réinstallé quelques modes, donc j'ai installé quelques nouveaux modes. Du coup, j'ai voulu les tester, voir s'ils étaient fonctionnels, s'ils ne faisaient pas bugger le jeu, donc ce qui semblait être potentiellement correct. J'ai eu un crash la première fois que j'ai installé le jeu. J'ai eu aussi ce petit lag au niveau du chargement, donc je sais pas si ça vient de la texture du robot. Apparemment, plus on installe de textures dans le jeu, plus les autres textures du jeu sont longues, plus les textures de base sont longues à se refaire. Bon. Ok. Donc, en nouveau mode, vous voyez, j'ai par exemple installé le fameux costume jaune de Dick Tracy. De Nick Tracy, du coup. Que je trouve qu'il va super bien. Hancock, il me fait toujours autant chier. Yo! Toutes les armes que vous voyez là peuvent faire la différence entre la vie et la mort, l'artiste. Ouais, ouais, elle est cool ta vie. J'ai aussi potentiellement installé donc d'autres modes. On va s'empresser d'aller voir tout de suite. Je pense que je ferai peut-être un saut à l'antre de la mémoire tout à l'heure. Reconnaître facilement. Passer une fille. Y a intéressant, parce que moi, ça me permet de tester aussi. Hein. J'ai pas trop tout regardé non plus. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Est-ce que le gamin est rentré déjà de base? Ça m'intrigue. Le gamin est rentré, c'est cool. Ok, alors. Vous passez du bon temps à Good Neighbor. C'est pas une ville comme les autres, hein. Ok. C'est pas ce que je voulais voir. Apparemment, je vais pas avoir accès à ce que je voudrais voir. Est-ce que le mode... Oui, le mode est toujours fonctionnel, pourtant. Ah si. Il doit être fonctionnel. Donc techniquement, c'est ce qui... En fait, il rend les femmes un peu plus femmes, techniquement. On m'a dit de l'installer parce que certains personnages en fait avaient des carrures qu'ils n'étaient pas censés avoir dans la base du jeu. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, certains personnages féminins ont été rendus plus masculins et inversement. Salut. Donc voilà. C'est pour ça que les ghouls par exemple, vous voyez, sont très... Si vous voulez faire le plein de matos, vous pouvez aller à Daisy's Discount. Daisy's Discount? D'accord, qu'est-ce que tu le dis? Au niveau de l'armure, cependant, qu'est-ce qu'on pourrait remettre? Parce que bon, j'ai l'armure de Silver Shroud et j'ai envie de remettre mon armure à moi. Je pense qu'on en a fini avec cette quête. Oui. Donc, hop, hop. Voilà. Parfait. Me revoilà. La première règle. On va rentrer. The good name. À Sanctuary, chercher Canigou. Merde. Hop. Beurre. Certains d'entre vous me demandaient comment j'ai eu les tilotrons. Une quête tout simplement. Hein. Je pourrais pas vous dire laquelle. Par contre, je sais que les quêtes sur la bière, vous regardez simplement les quêtes sur la bière et vous trouverez le robot en question. Et comment j'ai retrouvé le représentant de Voltec? Eh bien, il était dans le bar, là, dans le Trex, là, le Rex, ce machin, je sais pas quoi là. Pas dans l'hôtel plutôt. Il était dans l'hôtel. Vous savez quoi? Alors, hey, qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais que je me sens en pleine forme. Nous deux, à Sanctuary, paré pour l'avenir. J'aimerais que Canigou soit là. Et comme d'habitude, Canigou est très difficile à retrouver. Pourquoi tu peux pas simplement siffler Canigou ou téléporter tes personnages? Ou alors au moins être en mesure de savoir où est-ce qu'ils sont. Vivement qu'on se barre. J'en ai marre de cette chaleur. Tu vas arrêter de te plaindre? Bon, ah, c'est toi. On va où maintenant? D'accord. Hey, Cotsworth! Heureux de vous revoir, monsieur. Moi, j'aimerais chercher Canigou. C'est Canigou qui m'intéresse. Il est censé être à Sanctuary, il est où? Canigou! Général? Général, j'aime bien quand tu m'appelles comme ça. Mais il est où ce Klebs?
t'es foutu une niche, c'est pas pour rien. Ils m'ont pas dit grand-chose, chef Altrek. Juste de m'assurer que tout le monde remplisse bien son formulaire. Voilà, chers amis, j'ai fini par le récupérer. Hop, voilà, tu peux te casser, toi, maintenant. Casse-toi, je veux pas de toi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La patrouille perdue, nanana. La raison du plus fort, parlez à Preston. Preston, t'es où? Ah oui, c'est son fameux... son fameux camp, elle est récupérée, là. Son fort, ou je sais pas trop quoi. Yo. Yo. Vous pensez qu'on est prêt à reprendre le château? Ouais. Allez, on y ouais. va. Ouais, bonne idée. On va partir en reconnaissance et on vous retrouvera devant le château. A plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Le château, donc. Censé être où, ça, le château? Ok, bah c'est marrant parce que c'est pas trop loin de... de là où j'étais avant, donc c'est cool. Hop. Alors, des nouvelles armures pour peintre, pour, des nouvelles peintures pour armure assistée, ça peut être cool aussi ça. Bon, celles que j'ai sont pas trop. Par là, d'accord. Dogmeat, reste là. Enfin, Canigou. Je vais encore t'attirer des ennuis. Je m'étonne qu'il n'y a rien là-dedans. Pourquoi pas? Ah, il y a Vertipté encore. Police des Boston Sud, voilà. Je voulais le débloquer. Bon, on y va. Allez, à l'est. C'est les champignons luminescents qui faisaient cette lumière, d'accord. Pourquoi pas? Oh. Vous collectionnez les cochonneries maintenant? Oh ouais, ta gueule. Non mais oh, tu me respectes? Je vais t'éclater la cervelle. Ah, bonjour. Il y a quelque chose dans les parages. Merde. Hop là. Toi t'es mort. Toi aussi. Où il est ton pote? Où il est ton pote le légendaire? Bah il est là, je crois que c'est celui-là en plus. Hop les, voilà, ça c'est fait. Et enfin il doit en rester un là-bas. Oh! Il y a de la place pour tout le monde, il y a eu tellement de morts. T'es où? Hop. Il y a eu tellement de morts pendant la guerre, il y a de la place pour tout le monde. Ok, ça explose encore, c'est cool. Comment je fais? Oh, un coffre. Je l'avais pas vu, ça fait trois fois que je dois passer devant, mais je l'avais pas vu. Ok. Ça y est. Hop, pourquoi pas. J'essaie de passer au-dessus, ce serait cool. Oh putain. Qu'est-ce que ces bruits de merde? Alors. Par là, par là. Hop. Encore des explosions. C'est cool. Ça pète de partout. Alors. Super mutant. Synth left leg. Ouaf, c'est naze. Super masse. Ah, j'ai pas la place de la prendre. J'aurais dû m'arrêter pour faire de la place. J'étais con. Hein.
L'armure de Silver Shroud, tu parles? Vachement utile. Ok. Mais c'est de l'autre côté, mais pourquoi j'ai traversé alors? Bon, c'est pas grave. Hop. Pas grand chose à traverser. Hop. Allez, monte. Voilà. On y est. Le château, donc. C'est quoi le château? Pas grand monde. T'es sûr qu'il y avait du danger? Wow. Milicien. Ah, d'accord. Pourquoi pas? C'est une porte? C'est une porte. Voilà, Preston, t'arrives comme ça, toi. What? Permettez, hein. Salut, Preston. Tout le monde est là, général. Le voilà. Impressionnant, hein. Son vrai nom est Fort Indépendance. Mais Fort Indépendance. Les miliciens l'ont toujours appelé le château. Maintenant, vous comprenez pourquoi je voulais le reprendre. On a besoin de réparations. Peut-être. Mais quelques réparations ne lui feraient pas de mal. Je reconnais qu'il a connu des jours meilleurs. Mais les miliciens n'ont jamais eu peur du travail. D'accord. Notre premier objectif est de nettoyer la cour. C'est là qu'on rencontrera le plus d'opposition. Le mur de ce côté est le plus exposé. Mais si on l'aborde par le sud, on pourra aussi atteindre l'entrée principale. Qu'est-ce qu'on attend? On fonce dans le tas et on liquide ces saloperies, c'est pas compliqué. Non. Si on se sépare, on pourra les attaquer des deux côtés. Ils seront complètement cernés. Et si on les laissait venir à nous, on établit une ligne de tir de ce côté, et vous, vous les attirez. Alors, général, qu'est-ce que vous en pensez? Un général ne fait pas l'appât. On attaque en tenaille. On va les attaquer par les côtés. Ok, on va se séparer. Vous pourrez rejoindre le groupe qui vous semblera avoir le plus besoin de soutien. Bon, tout le monde a entendu le général? Allons-y, essayez de ne pas attirer leur attention avant qu'on soit en position. Nick, j'imagine que t'es full. Voilà ce que j'ai. Je te sens pas, Nick, c'est marrant. Ah, t'es full de chez full. Prends la queue de bœuf, je vais virer la queue de billard et le machin. Prends, tiens, ça. Ah non, tu veux rien transporter de plus du tout en fait. C'est pas qu'il peut pas, c'est qu'il veut pas, chers amis. Donne ça. Prends ça. Ah mais il veut pas, hein. Ok, bah je vais virer des trucs alors. Pas là-dedans. Voilà, puis démerde-toi parce que tu me fais chier. Taillot. Sympa ton armure à toi. Allons-y, chers amis. Bon. Le château. Pourquoi c'est défangeux? Bah casse-toi aussi. Mais putain, mais... Mais quel abruti! Hey, tu me passes devant le nez aussi? Comment tu veux que ça se passe autrement? Je dirais qu'on n'est pas seul. C'est fini pour toi. Et à quoi ça sert de prendre des fangeux en tenaille? Honnêtement. Appelez. Et Kenigou alors, qu'est-ce qui t'arrive? À quoi ça servait franchement de prendre des fangeux en tenaille? Soyons honnêtes, hein. Ça servait strictement à rien. Merde. Y a rien. Assurons-nous qu'il n'y en a pas de merde. Par contre, je vais prendre mes. Hop. Mon lance-glaçon, mon insecticide, voilà. On dirait qu'ils sont venus nicher ici. Il va falloir qu'on détruise ces œufs. Sinon, ils vont revenir en un rien de temps. Les fangeux aiment se tirer de l'église. En cours. Il doit en avoir plein les murs. Encore une vie. On dirait bien. Voilà comment on va faire.
C'est en cours, c'est en cours. Et détruisez tous les œufs que vous trouvez. Bah, ça... général, oh. Moi, on... Ah, mes munitions. Ouais. 5% de dégâts critiques. D'accord. Supplémentaires. Allons-y, général. Faut pas. Détruisez les œufs. Je viens de le faire. Je viens de le faire. Ok. Ah ouais, même des œufs en hauteur, c'est cool. Hop. Ok. En tout cas, l'endroit est sympa, hein. Je reconnais que s'il est améliorable, il est sympa. Même carrément sympa. Je m'assure comme ça que s'il y a des trucs dedans, ils y meurent en même temps, voilà. C'est ce que je disais. Ah merde. J'ai pas tout pété là-dedans. Ou ça repop connement. C'était quoi ça? C'était quoi ça? Il repopperait pas. Ils sont là. Ok. Ok. Vraiment, il aime ça. Hein. Tu es la reine des fangeux. Comment ça, la reine. C'est étonnant. Niveau 35. Encore cool. Si bon état. Alors, qu'est-ce qu'on a niveau 35? Amélioration des dégâts pistolet. Non, non, non. Non. Ok, ça en fait du bordel. Je vais être franc avec vous, j'aimerais bien augmenter d'un point la force. Voilà. Comme ça, ça me mettra au prochain de mettre un point là-dedans. Ça va être pratique. Bon alors, ok, cette foutue reine. Oh putain! C'est à moitié débile d'avoir une reine. Vu que elle est tout le temps debout, enfin. C'est naze. Voilà, la reine est morte. Tiens, elle font jeu. Une bonne manière de faire leur ta mère. Mon liquide de beau travail tout le monde. Ça a l'air on a d'être pas encore un fini. Puissant émetteur. Le général et moi, on va aller jeter un œil à la radio pour voir dans quel état elle est. Les d'accord. Autres, ouh. Éliminez tous les œufs et tous les fangeux que vous verrez. Ok, la radio donc. Oh. Haut-parleur activé. Allons voir ce qu'il reste du plus qu'à l'allumer et on pourra émettre. Plus qu'à l'allumer. J'ai encore du mal à croire qu'on a réussi à abattre ce machin. Oh, ça va. Qu'est-ce que tu fous, la radio? Non, ça pourrait être pire. Voyez ce que vous pouvez en tirer. Je vais aller voir ce qu'il reste d'autre dans le coin. Mais... plus qu'à l'allumer, et on pourra émettre. J'ouvre le feu. Je vois plus rien. Ok. Ah, il faut un truc d'énergie, j'imagine. Je m'en charge. Électricité. Générateur. Petit. Moyen. Grand. On va faire un petit. Putain, non, je l'ai encore foutu dedans. Ah, c'est naze. C'est complètement naze ce principe. Ah, puis la housing qui est pas résolue comme problème. Hop.
Ça me l'a encore foutu dans le mur à tous les coups. Et ouais, dans le mur. Ok, bon. Fixer câble. Parce qu'il est trop loin ? Ah ! Hop, fixer câble. Voilà. Ça devrait être bon là. Je sais pas ce que c'est censé faire. Plus qu'à l'allumer et on pourra émettre. Mais c'est allumé. C'est pas possible. Ça se moque de moi, c'est pas possible. Mais il est sous tension. Plus qu'à l'allumer et on pourra émettre. Non ? Faut combien pour l'allumer ce machin ? Ça se trouve, il faut un machin de porc. Il nécessite 10. Voilà, c'est là qu'est le problème. Ok, je comprends mieux. Recycler. Putain. Générateur. Produit 3, produit 10. Oh la vache. Je peux en construire 15, vous avez vu tout ce qui me prend. Allez. Non, non, non. Putain, mais l'interface est toujours aussi moisie. Faites quelque chose. Les gens de chez Bethesda. Arrêtez de vous tripoter la nouille. C'est franchement saoulant. Ok. Apparemment c'est actif. Ça je sais pas comment ça marche. On peut y fixer un câble ou je sais pas, non? Ou c'est dans le cul la balayette aussi ça encore. Yo. Pardon. Merde, on a vraiment réussi. Moi qui vois les miliciens tomber en ruine depuis si longtemps, c'est... Ça fait vraiment quelque chose. Tu m'étonnes. Maintenant il faut continuer ce qu'on a commencé. Remettre tout le Commonwealth d'aplomb. Et que ça dure cette fois-ci. Les affaires reprennent. Et maintenant que Radio Liberté est de... Radio Liberté ? T'as dit quoi ? On a fait tout ça pour une radio ? T'es pas sérieux ? Radio Liberté. On va prendre ça. Ok. What ? Ah ! Voilà. Somerville Place. Ok, bon bah pourquoi pas, si tu le dis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors ça c'est naze. Parler à Nick. Quoi? Ah oui, c'est vrai. Retourner au commissariat. Pouah. Ou alors faire un petit peu d'explo. Où est-ce qu'on est? Ici. On a quoi? University Point, Jamaica Plain. On n'a rien ici. Ça pourrait être une idée. Domaine de Westing. On va aller là, puis on va aller à l'est, à l'ouest, pardon. Et on va continuer à avancer. Voilà, c'est ça le principe. On a de l'exploration à faire, chers amis. Merde. Ah oui. Oh bah merde. C'est con, la chute a été dure. Je t'ai vu tomber, c'était violent. Alors. Ah, je me rappelle de cet endroit. Kanigou a trouvé quelque chose. Oh, un ennemi. Là, ça va chier. Tant qu'on s'en sort. Ok. Ok, donc faudrait que je traverse. Hop, c'est parti. Plouf. Hop. On l'a traversé. Bah,
sûr que personne boufferait ces trucs s'il les reniflait d'abord. Il y a pas beaucoup d'abris hein, comparé à avant. Hein. Oh, une maison. Oh, c'est un peu glauque comme endroit, j'aime bien. Ah bah oui, tu m'étonnes que ce soit un peu glauque. Un cimetière. Non, c'est pas un cimetière? Oula. Ok. Le ménage hop, est fait. C'est mort. Oui, des terriers. Qu'est-ce qu'ils vont aller par là, lui? Des fruits bleus à leur proie avant de les bouffer. Vous voyez les terriers, les fangeux adorent faire des frayeurs au. Écoute, j'ai rien vu. J'ai vu un vilain ennemi, mais j'ai rien vu d'autre. Partout où il y a de l'eau, il y a des fangeux. Oui, tu te répètes un peu, mon grand. C'est vrai qu'il y a énormément d'eau par là. Alors je me dirige vers le symbole bizarre parce que bon. Mais il n'y a pas grand chose d'autre. Hein. Ah, au nord, décharge de masse fusion. Une décharge. Bon, ça n'a pas l'air si violent que ça. Ah! C'est quoi ça? Je vais t'arracher les tripes et en faire un collier. Oh, combien là? Salope! T'es où? Tu bouges trop. Ma jambe. Ok. Ok. Problème résolu. Qu'est-ce qu'il fait là-haut, lui? Plus personne maintenant. J'arrive pas à croire qu'on puisse survivre dans un endroit. Pistolet plasma. Oh, intéressant. Allez. Je prends. Ok. On va avoir un léger freeze là, c'est marrant. Enfin, un léger lag. Une baisse de framerate, j'irais même très précisément. Ok. Non, là-bas il y a une ville. Et une belle. Hein. On peut faire le tour apparemment. Bon, bah, on va faire le tour là. Juste aller chercher l'autre trou du cul en haut là. La dernière fois qu'on a fait un machin aussi haut, il y avait une tour. Ah bah non. Il y avait une bobelette, pardon. Mais là non, apparemment. On n'a pas eu cette chance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai une légère baisse de framerate? Oh, un fongeu. Un fongeu de moins. Sympa l'endroit, franchement. Fleur de carotte, tu le dis. Il n'y a plus rien. C'est stress. Il y a des bandits. C'est la voix de Jeremy Renner. Jet, ça rend un peu nerveux, qu'elle disait. Un peu cul. Bon. De quoi? Autant laisser les faire. Il n'y a plus rien. Quelqu'un approche. Qui? Vous croyez qu'ils sont partis pour demain? Ils m'ont vu. Oh! Oh! Dommage. Maintenant, fini de rire. Hop là. Bah alors. Vu que j'ai un petit peu de munitions dans la sulfateuse, pardon, je vais y arriver. Je vais en profiter. Dégage.
C'est bien qu'il y avait un chien d'attaque. Ok. La suite. Ouais, je connais de nom ce lac, c'est marrant. Oh non! Oh non, putain! Oh, fais chier! Ah si, c'est bon. Bon. Là, on a un campement bizarre. Avec un fond luminescent. Bien joué, Nick! Il est balèze. Hein. Je me suis fait mal en fait avec les explosions, les dégâts d'explosion. Remets-toi, Canigou. On n'a pas fini. Ça va être vite fait. Ce que je disais. Bon sang. C'est bête, on commençait à devenir copains. Ouais, ouais. Parle pour toi. Je fais pas copain-copain avec des fongeux. Moi. Bon, où est la suite? Ok. C'est marrant, ouais, j'ai une baisse de framerate qui est quand même assez balèze. Hein. Je sais pas d'où est-ce que ça vient. Ok. Un de moins. Au suivant. Ok, pourquoi pas. Oula. Marrant, je dirais qu'il y aurait des yaougouaï là-dedans. Bon, même t'es des éventreurs. Bon, on a fait le tour. Il y a des ghouls au fond. C'est quoi ça? C'est pas une ghoul, ghoul sauvage, ah si. Ah, je la rate. Ah, je la rate encore. Touché. C'est quoi ça? Bon, si elle pouvait aider de rusher comme une porc. Dégage. Ok. Excusez-moi les filles, hein, je sais que j'utilise une arme qui vous fait des dégâts. À distance. Enfin, j'aime m'en rendre compte. Ghouls sauvages cognent dur. Tuyau de plomb. Pouah. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Réservoir Poséidon. D'accord. Carburant lance-flamme 8. 8 unités de lance-flamme. Il a 8 centilitres de napalm au final. On a bien fait de pas sauter. Oh. C'est un peu trop simple cet endroit. Ouais, il y avait forcément rien dedans. Ok. Dommage. Alors, quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. Alors, on peut plus passer. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Première erreur. Les gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Quand il voit du... What? Sans recharger? Par contre ça doit faire une chaille, bah oui voilà. Sans recharger. Alors ça je trouve ça un peu pute. Vous avez vu, il a pas rechargé du tout hein. On est d'accord, hein. Il a fait pshhh, pshhh.
Alors que depuis tout à l'heure, il arrête pas de recharger. Donc il s'est passé quoi? Il a modé son arme? C'est tout. Dégage. T'étais pas là toi tout à l'heure? Non, je te reconnais pas. Bon, y'avait rien là-dedans. Ok, t'es en train de bouffer une bramine. Pourquoi pas? Si vous voulez vraiment énerver un fangeux, faites joujou avec ses œufs. Si vous voulez vraiment énerver un fangeux, bouffez un de ses œufs devant lui. Tu m'étonnes. Y a pas que lui que ça énerverait. Alors, les ghouls maintenant. Ok, wow, bonjour les filles. Je prends des rades, je prends des rades. Vraiment que ce soit la dernière gueule que tu vois. Faites attention. Hop les. Pardon Canigou, ça doit faire mal effectivement. Je crois que Nick a pris cher. Hein. Je le vois plus. Bon, par contre ce qui me fait chier c'est plus pour ma goule du coup. Elle avait une carabine de combat maintenant. Nick? Nick, t'es en pièce détachée? Nick! Ah merde, il est encore en vie, dommage. On a eu de quoi espérer l'espace d'un instant, chers amis. Enfin bon, c'est pas grave. Je sais pas ce que je dois prendre. Le snipe. Voilà, celui-là il est mort, il a rien vu venir. Tu me vois pas. Je ne te vois pas. On ne se voit pas. Ok, ça suffit les conneries. Qui est là? C'est quoi ça? Et lui là-bas il est pas mort. Là. Bon, j'arrive pas à le toucher, ça me saoule. Ok. Non, j'ai pas du bol, je suis bon. Ah. Canigou, bouffe le pillard. C'est bien, Canigou. Excuse-moi. Hop! C'est cool, ça va? Bon. Alors, la suite. C'est quoi cette ville? Ah, elle avait sa propre piscine municipale, hein. On va bien y avoir une ou deux ghouls là-dedans. Natick Banks. C'est quoi cet endroit à gauche? What the fuck? Bouffe! Comment t'as pu le rater? Et 2-1. Y'a d'autres écorcheurs dans le coin? Est-ce qu'il a dû buter une chier de super mutant?
Mais alors, littéralement une chier. Ok, il y avait encore une communauté parce qu'ils ont enterré, ils ont voulu enterrer la goule. Il y avait donc forcément une communauté. Alors, un petit peu d'éclairage, ça nous fera pas de mal. Hello! Oh, t'as outil déverrouillé novice. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hop! Ouais. S'ils voulaient que ça reste fermé, ils auraient dû investir dans un meilleur verrou. Oui, dans un meilleur verrou, oui. On avait compris ta blague, tu l'as fait à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? D'accord. Ok. Parce qu'elle est cette foutue voiture là-bas, ouais. Ouais, il y a des trucs, hein. Oh, calmos. C'est rien. Merde! Faites gaffe, j'ai quelques cartouches. Si vous voulez vous la mettre, je peux très bien gagner. Faites gaffe. Essayez pas de me faire peur, hein. On a loupé le commissariat. Le voilà. Il est pas en super état, hein. Retour des livres. Ah, c'en est une. Cool. Parce que j'en ai potentiellement sur moi. Hop. Brosse à cheveux, loupe, appareil photo, chips, rien d'intéressant. Par contre, il y en a plusieurs avec plusieurs types de cadeaux différents à chaque fois. Je suis pas dans la merde. Soyons honnêtes, hein. Ah. Hop, de l'XP gratuit. Aïe. De l'XP à une épingle à cheveux, pardon. Joli. Vexé. Hop. Oh, deux épingles à cheveux. Hop. Ça y est. Un livre en retard, forcément, j'aurais dû m'en douter. Ok, il n'y avait rien là-dedans. C'est les sauts des chiottes en fait, donc j'aurais préféré ne pas y toucher. L'armurerie peut-être? Ah, Eddie Winter. Oh. Qu'est-ce qu'il y a à l'étage? Yannick. Et pas Yannick, hein. Yannick. Alors si le PC fonctionne. Alors ça... Holobombe. D'accord. Je vous le dis honnêtement, chers amis, retrouvez toutes les holobombes. Non, je me trompais. Retrouver toutes les holobombes du jeu ne m'intéresse pas, hein. Franchement, je trouve pas ça... Je suis complétionniste, mais pas à ce point-là. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Alors. C'est très bizarre, le monde comme ça, sur le côté, entre guillemets. Hop. Alors, on y retourne.
Repartons vers le sud. Fait chier qu'il fasse nuit. J'aime pas ça quand il fait nuit. Ça fait plus ou moins nuit. Là, on est vraiment en plein sud, hein. Oh non, de Dieu. Ouais, 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 ça me plaît pas cette histoire. Oh. Oh. X01, bah voilà, parfait. Hop, vas-y, mets la pile. Et ouvre le bordel. Parfait. On a toujours pas le casque de l'armure X01, hein. Bon, c'est dommage, c'est ce que je cherche. Hop. Donc, nous, on va se rentrer à Sanctuary, ce qui me permettra de faire... Ah bon, je peux pas. Mais je viens de porter, je viens de prendre une armure. L'armure, elle m'aide pas à porter quoi que ce soit. Apparemment, non. Hop, voilà, hop. Maintenant, j'aimerais rentrer à Sanctuary, s'il vous plaît. Parce que vous m'avez vexé. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne, vous pouvez aussi retrouver dans le descriptif de l'épisode un lien vers mon partenaire Gamespet.com qui m'a gracieusement offert le jeu, et je les en remercie. Vous savez quoi ? Encore une fois, merci à vous pour votre fidélité, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, et je vais garer l'arme. Nous deux, à Sanctuary, paré pour l'avenir. À la demain !